Bonjour ah, à tous, j'ai raté. Allez, 3, 2, 1, go. Bonsoir à tous et bonjour, on s'en branle quoi. Bienvenue à tous sur notre nouvel épisode d'Europe Universalis 4, donc avec mes camarades, donc les Girac. Salut. Et Cyric. Salut. En mode, on passe notre temps à se faire défoncer le cul en guerre de coalition. Mais vous passez le temps à faire défoncer le cul en guerre de coalition? Allez, on enlève la pause. On va taper ça. Ce sera bon. Lituanie, désir de liberté 2,3%. Ah, oh, c'est beau ça. Oh, l'autre il nous attaque en Alsace. Ah, c'est décroissant, fais chier. Y'a le Rhin ou pas qui joue? Ouais, y'a le Rhin quand même. C'est le Rhin, ça coûte. J'envoie les renforts juste après. Voilà, et je vais aller me faire moi. La bataille d'Alsace, très bien. Je vais aller me faire Gênes. J'aimerais bien virer la Hongrie la carte déjà. Non, c'est une coalition, mec. Moi, je vais aller me faire Gênes. Non, mais là, enfin, je l'ai viré, c'est genre j'attaque ces provinces, après c'est fini quoi. On pourra plus nous embêter parce que là. Je suis en train de perdre. Protestantisme. Là, tu y as passé protestant. Je risque pas, moi. J'ai pas envie de perdre l'UP. Ah oui, oui, tu peux pas. Je l'aurais fait. C'est tellement, il y a tellement d'énormes avantages à passer protestant. Notamment les plus 10% d'impôts. Ça, personne crache dessus. Par contre, là, la bohème, ouf, il y a 7 électeurs qui votent pour elle. Je regarde un petit truc. Ouais, 300 réformes. Ils ont pas popé, ils ont popé tous l'un à côté de l'autre en plus. Hein. Ouais, parce que j'ai vu. Voilà, je vais m'occuper de Jen, je vais vous sortir là tranquillement, je vais lui défoncer sa flotte. Ce qu'on n'a pas pu faire dans notre guerre. Toi, contente-toi de tenir. Allez, j'arrive bien. T'es en train de défoncer Venise là-bas. Conflit interne au Brandebourg. Ah, Lucas et Modène, c'est à la Castille, ça? Faut croire. J'allais me faire pisse. J'ai plus mal, Royal. Je t'en redemande un. Ouais, moi qui vais réussir à récupérer tout le manpower. Putain, je suis un peu presque fait chier. Et le pape qu'en Alsace? Mac, je t'envoie un mal royal, fais une demande. Ouais, pas de soucis. Prêt. Très bien. Norvège indépendante. Ah, ils m'ont eu. Putain, faut que j'aille me faire le pape là. Dès que j'ai fini ce siège à la con, 0, siège moins 20%. Est-ce que je passerai niveau technologique 10. Papine, Autriche. L'armée de Gênes, elle est à Rome. En fait, comme ça, l'autre,
Théogène, tu fais sortir ses navires. Ah oui, en plus, c'est vrai que je suis un petit bloqué. Putain, il faudrait que j'arrive à prendre des prendre. J'aime me prendre Ferrara, par exemple. Oh putain. Oh le. La bohème, allez, la bohème, va te faire les rebelles. Oh, la bohème, il va te faire. Voilà, c'est ça. Le pire, c'est qu'ils ont même pas popé chez moi. C'est les rebelles de Brandebourg qui sont venus chez moi, les Poméraniens. C'est que c'est des rebelles qui veulent entre guillemets redonner un pays au Saint-Empire et l'empereur il fait non, je vais les défoncer. L'empereur qui arrive, genre coucou, personne se rebelle. Les rébellions, c'est mal. Bon, ça se dépêche là, mon siège à la. Alsace, perdu. Putain, non, on a reperdu. Eh oui. Elle fait chier. À cause du pape. C'est les troupes du pape qui étaient dans l'Alsace. Ben je sais, mais ça me fait chier parce que le truc, c'est qu'en fait, au niveau. Faut attaquer l'Autriche. Oui, effectivement. C'est chiant. Le siège de Gênes est terminé très bien. Voilà, je vais torcher sa flotte. Ah non, même pas. Pourquoi j'aurais pu bouger mes troupes? Mets en pause s'il vous plaît. Je crois que je suis des 5. C'est pas une combinaison de bataille navale ça? Désolé, c'était à chier. J'arrive pas à aller sur mon territoire, c'est ça que je comprends pas. Y'a un fort peut-être, non? Ouais, mais c'est moi. Ah oui, c'est celui de. C'est comme tout à l'heure. Celui fois, de Tirgovis là, que t'as perdu. Oui. Je vais aller occuper la capitale de. Ah! Je vais me défoncer le pape. Ce double sous-entendu tellement dégueulasse. Oh non, pour le faire, il n'y avait même pas de sous-entendu, ça m'arrive des fois. Aïe 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 aïe! Oh putain! Bon, Légis, ça dit quoi? Arrive, ça dit quoi tes guerres? Je tiens, c'est tout. Ne m'en demandez plus. Est-ce qu'il y a pas moyen que tu négocies une petite paix? Bah, moins 18, non? Putain de merde. Je sais même pas ce qu'ils veulent. Non. Il veut juste désosser, je crois. Honnêtement, non. Rien que ce que j'ai vu déjà, non. C'est quoi en fait ce qu'il te propose? Que je libère la Géorgie. C'est énorme. Mais t'en fous. Mais la Géorgie, c'est énorme. C'est riche ou pas? Bah oui, c'est tout le monde dans mon pays, quoi. Ouais. Non, non, je veux pas, moi. Honnêtement, non. Après, ça va être la Grèce, après, ça va être machin, non. Et plus tu vas baisser en score de guerre, plus ils vont demander des trucs, hein. Non mais c'est juste qu'il faut que je reprenne du manpower, c'est tout. Tu sais que ça met 10 heures à monter le manpower. Non mais juste assez pour que mon armée revienne et que je les poutre, après c'est bon, je sors de mon territoire. Je prends tellement cher à cause de vos guerres. C'est incroyable. Au début j'étais le boulet. Je comprends pas. Il y a des trucs que je comprends pas, j'ai dû libérer la Bourgogne, on est d'accord? Oui. Donc la Picardie des Vermandois, je les ai en permacore. Par contre, Bourgogne, Charolais, Nevers, j'ai perdu les corps que j'avais dessus. Oui, parce que tu abandonnes tes corps en même temps que tu libères un pays. Oui, oui, mais pourquoi la Picardie et le Vermandois, je les ai pas perdu mes corps dessus? C'est ce que je te dis justement. Parce que c'est pas de culture. C'est de culture francien. Regarde la culture. Ouais. France est la nation primaire de franciens. Donc, vu que c'est de ta culture à toi, tu la perdras jamais. Paysans polonais qui veulent se rebeller. Oh là là, je ferais tous fusiller, moi. Qui c'est qui est mal? Il y a Gênes qui est mal. Ferrara, Florence sont bas, Sienne. La Papoue sont bien, Venise ils sont bien. Oh non, général 2 étoiles Venise qui vient, quoi.
temps que je perde avec ça, quoi. Ah, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, on va pas pouvoir récupérer le truc. Donc, on va faire tout ça de ce qu'ils veulent, hein. Faire Rome, ça s'en fout. Ah, c'est chiant, je vais quand même oxy avant. Puis j'étais presque, quoi. Bah, tu la récupéreras. Moi, perso, je te le dis franchement, je suis pas spécialement mal. Bon, j'ai plus de power, j'ai plus de thunes, j'ai 2 crédits. Moi, perso, je peux tenir. Après, bon, les J, je sais pas ce que ça vaut. Toi, bah, c'est tenir là, j'ai plus de troubles, donc... Ouais, donc non, lâche. Bon, ça fait chier, quoi, de lâcher à cause de... Effectivement. De ça, surtout que je perds vraiment beaucoup, quoi, dans l'histoire. C'est bon, ça allait mieux cette paire en fait. Voilà. Non, j'ai pas trop perdu. Bon, on se fait la même merde au mieux là. La Moscovie ne veut pas me blairer. C'est assez amusant parce que Novgorod et Moscovie se détestent, mais ils sont tous d'accord sur le fait qu'ils peuvent pas me blairer. Voilà. Bon, j'ai un prêt à j'ai un prêt, c'est tout. 284. Ça sera répond bientôt. La main de pouvoir, on s'en fout là. La maintenance de l'armée. De toute façon, j'ai plus main de pouvoir. Héritier étranger. Oh, c'est la France qui est héritier. 3-4-2. Allez, meilleur que le mien. Ah non, moi c'est un 2-4-3, et toi c'est un 3-4-2. J'ai libéré l'Albanie, mais du coup je vais la vassaler. Mais la Bohème, c'est un 4-4-4. Pour une fois, je serais content d'avoir la Bohémia sur mon trône. Est-ce que je peux sur mon trône? Ah ça y est, j'ai fini ma machin. T'as conscience que c'est plus les Valois sur ton trône, au fait? Ouais, c'est les 22 quelque chose. Luxembourg. Putain, en fait, je peux coloniser, mais j'ai pas la portée coloniale. Ah. Personne n'a de l'argent, j'imagine, non? Non. Bah, j'ai deux emprunts. J'ai un emprunt. Syrie, elle a des corps sur le Mamouk, donc ça c'est plutôt bien. Ah oui, intéressant. L'Angleterre qui a repris une banqueroute. Il est né avec qui? Holstein, Autriche, Portugal et... Oh, putain, le Holstein. J'aimerais que le Danemark perde son UP avec la Suède. Tension agressive a dû bien se calmer. Et... 30% de colonial. Hollande. Qui c'est qui a atteint le trône chez toi en Pologne? C'est
Un pot de brade, c'est le 4-4-4 que je préférais. Bon, j'ai arrêté de soutenir mon héritier. Je vais me marier avec toi. Le Saint-Empire, il te fait passer que deux réformes, les pauvres. Il a plus 0,0 par mois, le pauvre. À cause des hérétiques. Ah là 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 là, le. C'est pas encore aujourd'hui qu'on verra le Serge Popé. On le verra jamais, je pense. C'est rare de le voir Popé quand c'est l'ordinateur qui le joue, c'est sûr. Même un humain, déjà, c'est très difficile. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est lui-même encore plus dur depuis le nouveau système. Je trouvais ça assez facile au début. Parce que je rappelle, j'ai eu Europa en 2013. Aujourd'hui, en 2015, ça a changé. Hein. Je l'avais précommandé, moi. Ah ouais? Moi aussi. Sauf qu'il y en a un qui a 3000 heures de jeu et les deux autres, ils sont à 900. J'ai fait l'erreur. Quand je serai prof, c'est un beau métier, prof. Effectivement. Putain, mon économie, elle a pris cher. Moscou a pas de pote, la Novgorod a pas de pote, ma prochaine cible c'est Novgorod. Dès que je suis remis. L'un de vous aurait 400 de dettes. Non, c'est comme. Non, c'est pour rembourser. En fait, je dois 600 de dettes. Bah, moi aussi, je dois 600 de dettes. Ah, putain. Ouais, merde. J'en dois 270. Ah, tout le monde a des thunes. Ah, merde. J'ai plus. Donc, je suis à 8,73 de revenus. Une chose que je ne fais plus, c'est baisser l'entretien de mes troupes. J'ai fait la connerie au début, ça a pourri mon. Ma tradition militaire. Enfin, ma tradition militaire est déjà bien à chier alors. Imaginez ce que c'était au début. Hein. Et j'ai démobilisé tous mes forts. On me déclare la guerre, c'est de la merde. Hein. Je vais chialer ma mère. Hein. Bon, allez, objectif remboursé, putain. Pourquoi me chier? Pourquoi ouais, et allié. Je passe de 2 à 4. Bavière et Liège. Oh. L'Écosse, on s'en branle. La Bavière, c'est moyen gros. Et Liège, je vais les défoncer. Nassau. C'est ça, faites-vous des guerres civiles à l'intérieur, les gars. Sachez qu'il n'y a plus de. Qu'il n'y a plus de coalition comme ça. Ouais. Ouais, ce que j'ai regardé, parce qu'il va falloir qu'on voit un peu nos réputations. Genre l'Autriche, je joue mon réputation avec ah eux. Bon. Ouais, c'est juste pour. C'est pour le côté coalition. Ouais, d'accord, je comprends. Là, ils sont bons. L'Angleterre, j'en ai un peu rien à battre. Je kiffe pas du tout, mais l'Angleterre, c'est vrai que j'aimerais bien. Ah bah oui, la Bohème, elle m'adore, elle a plus 200 parce que même dynastie après élection, plus 200. Là même j'ai re-augmenté ma relation parce que c'est vrai qu'en fait si on se déclare la guerre à l'Angleterre on se retrouve Angleterre, Autriche et Portugal et Angleterre, Autriche, Portugal, je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que ça va être faisable. Bon peut-être pas tout de suite maintenant. Putain, Boukhara, je me branle de Boukhara les gars. Siphonner la Lituanie. Oh, guerre de paysans en Moscovie. Eh, je vais même pas siphonner la Lituanie parce qu'ils sont endettés. Eh, on
Moi j'irais bien me faire le. Ça vous dit Angleterre, Autriche, Portugal sur la gueule? Non. Moi, j'attaquerai du non, coup. Non, 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 non. On peut rêver, hein. Je vais pas être méchant, mais là non. Vous êtes sûr? Oui, je confirme. Zit. Bon, t'as raison de rembourser le crédit. Ne soyons pas pressés. Le prochain crédit, il a remboursé quoi en 1519? Ah, et Tuning, qui veut dire. La fin de l'épisode. Ok, bon, allez sur ce les gens. Et bye bye, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.